pardonne. Je vomis son espèce, je suis dégoûté par l'homme. Au départ c'est juste un connard qui abuse de l'alcool et qui finit avec mon crâne enfoncé dans le pare-choc. Je revois son visage quand il gueulait dans l'iPhone pour expliquer à sa femme que tout était de ma faute. Les sirènes, les gyrophares, ma roue arrachée par bloc. Traumatisme cérébral, amputation de la jambe gauche. Et depuis c'est l'hôpital, la valse se déproche. J'entends le médecin qui parle d'une prothèse en carbone. J'aimerais crier que je suis là, prisonnier de mon corps, et que j'imagine ma femme se faire toucher par d'autres. Parce qu'en vrai, après quelques mois, y'a plus de monde dans la chambre. Et le peu de gens qui passent lui disent de ne plus m'attendre. Je suis relié à une machine qu'il suffirait d'éteindre. Dans mon cas, la mort est plus simple. Je ne veux peut-être plus me battre dans ma tête. Non, 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 non. Je ne veux pas, je ne peux pas faire la bêtise de vous plaire. Non. Bien, je ne fais que le mal nécessaire. Pour l'homme, la femme, une hyène, pour la femme, et celle copine qui te lèche, va bientôt mordre ta patte. Ils parlent du sexe faible, en vrai, ils ne savent pas tout ce qu'une demoiselle peut faire pour que qu'elle veuille sa part. Se connaître, puis la maternelle, on a eu les mêmes cartables. Je l'aimais comme une sœur, impossible qu'elle me fasse. Mais la bombe se tape, mon mec. Et bien sûr, ça parle, les photos sont plutôt claires. La fille lui montre ça. Et depuis, je deviens folle, j'ai un putain de cafard. J'ai envie qu'elle meure, il faut que je la fasse. Son mani fout là sur le nez, puisqu'elle est maître à poil. Les filles voulaient qu'elle devienne là, et j'ai plus de voix. Je ne fais que le mal nécessaire. À leur table, je mange parmi les traîtres. Je danse avec le diable, il sait que ma chair est faible. Ça crache sous les juifs, mais ça ne parlera pas de nègre. Ils me savent agressif, je ne descends pas comme saint. Je les écoute se moquer de la bêtise martiniquaise, de toutes les connes qu'ils ont mangées grâce au bateau de leur père. Ces putains d'enfants gâtés, leur réseau est essentiel. Donc ils pourraient sucer des poules jusqu'à ce que l'on voit plus le sperme. Mais moi, je ne suis pas comme eux, je ne suis pas de leur cercle. J'ai maintenant fumé l'orbe, j'adore me déchirer la tête. Puis pour le faire une expérience, histoire de ne pas mourir. Mais les gars me proposent de la coke, j'ai 22 ans après, mais je dis non, non. Gracias.